Salut à toutes et à tous. Bon, désolé, hein, vous avez vu, j'ai pas sorti de vidéo pendant quelques jours. Les vacances ont pris le dessus. Vous remarquerez qu'on a changé de décor. Hein. Tiens, il commence à pleuvoir pour changer. Je suis rentré de vacances. Par contre, je vais continuer à vous sortir des vidéos que j'ai filmées pendant les congés. On va continuer en gros la petite série au KLM qui me prend pas trop de temps de montage. La vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est une vidéo principalement on s'est fendu la gueule. La vidéo était faite un peu à la va-vite dans le sens où malheureusement on entend plus nos rires à nous que les réactions des gens à l'extérieur. Je pense qu'il faudrait entendre les deux parce que nous on se fend vraiment bien la poire, on stresse vraiment quand même pas mal, mais la réaction des gens elle est vraiment. Puis désolé, j'ai flouté les visages, hein. C'est vrai que ça casse un peu la réaction des gens. Écoutez, franchement, même si ça m'a énormément stressé, j'en sais vraiment marré, alors c'est ultra puéril, hein. Nous en voulez pas. Et puis globalement, même pas globalement, les gens franchement le prennent super bien. Ils se retournent, ils font c'est quoi ça? Et il y a un mec qui fait ouais, la voiture elle a pété. Et puis ils font des grands sourires et tout. Il y a personne qui nous a détesté ou qui nous a envoyé chier. Ça s'est très bien passé. Bon, écoutez, je vous laisse regarder. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait rire. Je vous laisse regarder ça. Arrête, stop. Arrête, c'est gênant. C'est bon, t'as mis. Attends. Attends. Bon, ça va les gars? Vous en pensez quoi du coup? Parce que moi j'assume pas du tout. Vous êtes nul ton peu. Regarde, tu les vois? Je suis pas là. Tu me vois Lucas? Je suis pas là du tout. Elle est bordelée là. Finalement il ne réfléchit. Moi je suis mort. Ils sont en train de nous regarder fixement. J'en ai marre. Regarde les jeux, Lucas. Je peux pas, j'y arrive pas. Toi, t'assumes direct quoi, sans trop de problèmes. Tu crois qu'il y a tout le monde de il y a tout le monde regarde. Qui en ouvre, hein. Mais c'est fait pour. C'est quoi? Ça filme. Je peux m'en aller, s'il vous plaît. La voiture vient de péter. C'était drôle celle-là. Faut le faire à distance le coffre. Ah oh, bah oui à distance. Arrête. Il va nous tuer, Léon, arrête, c'est un psychopathe. Bah, j'avoue que. Arrête, on t'a dit non. Putain. J'avoue là, maman. Rigole mec. Regarde sa voiture. Il croit que c'est sa voiture qui. Ah, il croit peut-être que c'est sa voiture. Mais n'importe quoi. Mais t'en sais rien. Mais non. Non. Attends, je vais faire quand il va mourir. Non, arrête, 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 arrête. J'ai trop honte. J'avoue, j'ai honte. Oula. Elle a dit quoi? Je suis pas gentille. Elle s'en va. Je fais quoi lui? Ah, l'autre. Ils ont capté un truc? Oui, je pense. Je crois bien. Bon,
bah voilà, j'espère que ça vous aura fait rire autant que nous, on s'est marré à la faire là, cette petite vidéo. C'était fait un peu à l'improviste. Dites-nous si ça vous a plu, on peut retenter le coup de manière plus aboutie en mettant le micro à l'extérieur, la caméra à l'extérieur, commandant la caméra à distance. Ça pourrait être marrant aussi d'essayer en Île-de-France, voir si les gens réagissent différemment. Peut-être qu'en Bretagne, les gens sont sympas et détendus, voir si en région parisienne, peut-être ils le prendraient plus mal. Hein. J'étais en train de réfléchir. Oui, c'est complètement inutile. Une voiture qui pète, du feu au coin de la cheminée, des jeux vidéo, des machins. C'est des trucs qui sont très proches de l'inutile total. Mais, en fait, c'est une grosse publicité. Bah mine de rien, quand on en discute avec les gens, on fait joujou, on leur dit « assieds-toi là », puis ça fait prouter, machin, et après, la Tesla, c'est la voiture qui proute, c'est machin, c'est bidule. Bon, c'est complètement con, mais ça fait parler. Après, ils se rendent compte que quand tu montes dans la voiture, elle se contente pas que de faire des proutes. Je pense que c'est un gros coup de pub. Alors après, est-ce que c'est bien que les gens retiennent uniquement le fait que la voiture proute ? Pas persuadé, mais sur les réseaux, sur toutes ces choses-là, la vraie vie, hein, le bouche-à-oreille, le principal c'est que les gens en parlent, en positif ou en négatif, c'est faut en parler. Et mine de rien, bah, là-dessus, je pense qu'ils ont réussi. Abonnez-vous, pensez à mettre le petit pouce bleu, il y a plein d'autres choses qui arrivent, hein. D'autres vidéos qui ont été tournées pendant les congés, et je vais donc continuer les vidéos au KLM. Bon bah écoutez les gens, je vous dis, ciao bye bye.